Bellizer House. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Non. Collectionneur de fourrures. Collectionneur de fournitures, d'accord. J'avais compris collectionneur de fourrures. Je vois pas le rapport. Alors effectivement, on doit monter. Et on va s'attaquer à la Messa du Voile Blanc. Voyons voir, à lunettes, ça, combien? Bon, on est à 490 et il faut 325 pour un nouveau truc. Voilà. Messa du Voile Blanc, on doit à mon avis monter par là. Oui. Pour finir donc cette zone, on va tenter de la finir aujourd'hui quand même. Ça fait un moment qu'on est dessus. On a même notre chauffeur privé. Ok, alors. Je suis Myla. Ça fait vraiment grande beaucoup de drogue chef bar. De la tribu. Le village des crins de neige, qui se trouve juste derrière nous, a été pris de court par l'ampleur de cette attaque. Je me charge de tenir les drogue bars en respect ici, de façon à ce que les civils aient le temps d'évacuer les lieux. Les drogue bars utilisent des vers pour creuser jusqu'à la surface et déployer leurs troupes. Je vous mets à la tête de nos soldats. Faites le nécessaire pour tuer les vers et empêcher l'arrivée des renforts. Ensemble, vous affronterez les vers. Appelez-nous, nous viendrons. Toi, hé, hey, chute, 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 chute. Un petit instant, s'il vous plaît. Nous revoilà. Alors, les vers n'aiment pas se battre et ils détestent le monde de la surface. Ils ne font qu'aller là où leur maître leur dit d'aller. Alors, en temps de guerre, c'est lui qu'il faut tuer. Le siège Beauf Holgroof est le maître des drogue bars Pierre Puissance qui nous attaque depuis le nord. Okay. Parlez plus fort. Nous avons besoin de mes oreilles ne temps sont plus pour évacuer crains de neige. Glébi en découdre avec les drogue bars Pierre Puissance afin d'éclaircir leur rang. Je vais demander à mes soigneurs de conduire en lieu sûr tous ceux qui sont que vos rivières soient toujours fertiles. Bon. Ça fait deux. C'est l'office vers moi qui a un jeu de pierre. Shanronir, allez vous faire voir chez les temps. Mort à nos ennemis. Je dois d'abord choisir une cible. Je n'ai pas de cible. Sauf que non, Gourbière le cogneur. Moi je veux pas. Contemplez la puissance d'un archimage. Allez, on y croit.
pour choisir une cible. Bon, bah ça en fait un truc. Mort à nos ennemis. Bon, mais je sais pas combien. Je dois me rapprocher. En tout cas, c'est gentil à... au DH de venir m'aider. C'est gentil. Je sais que ces quêtes sont un peu relous. On va encore devoir tuer un Drogbar au minimum. Donc, c'est mon rut. Ne reculez jamais. Ok, donc on est à 10. Moi maintenant, il faut que je... celui-là. Allez, bim dans ta face. J'ai besoin d'une cible. Hop. On va pouvoir... eh bien, tout rendre. Déjà une bonne chose. Normalement, on va affronter le détenteur du marteau de Kasgoroth. Faites des bêtises. Maintenant, alors, cela devrait remplir la protection de ces maudits envahisseurs. Nous occuper de la Légion. Que la Terre Mère veille sur vous. Merci, champion. Grâce à vos efforts, nous avons pu mettre à l'abri des enfants et les blessés. Si vous vous perdez, suivez la rivière. Piège Brouf, bas. Avant cette guerre, nous n'avions nul besoin de ce genre de type. Roi Grouf, une brute qui prend... Old Grouf, pardon. Une brute qui prend du plaisir à voir souffrir. Tout au roc se tient derrière vous. Plus. Et d'après mes éclaireurs, certains Drogbar ont réussi à contourner notre flanc pour attaquer Crin de Neige. L'idée est organiser l'évacuation. Nous allons tenir les Drogbar ici et tâcher de faire gagner un peu. Nos tribus ne font qu'une. Alors, quoi ? Faut évacuer. Allez, allez. Pêche. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Vous sentez comment le vent a changé ? Mita presse. Mita presse. Tremblez devant notre pouvoir. Vita y presse. Ok.
Les temps y pressent. Il faut que tout parte. Voilà, et sans combattre un seul ennemi. Bienvenue à vous. C'était moins une. D'après nos éclaireurs, le roi d'Ambla s'est déplacé en personne. Nous devons nous contenter. Nous devons nous en contenter. Dargroul est sorti de son trou et nous avons besoin de tous les bras disponibles sur le front. Allez-y, je vous rejoindrai sous peu. Ensemble, nous sommes au roc. Enfants des profondeurs, réveillez-vous, écrasez ces chaînes renires. Quel vent vous amène ? Le village a tout bonnement disparu. On m'a raconté ce qui était arrivé à Courberive, mais je pensais que ces rumeurs étaient exagérées. Le deuil... Oh, honoré. Le deuil devra attendre la fin des combats. Tenez, champion, prenez l'un de mes aigles de guerre et envolez-vous. Servez-vous des pouvoirs que vous ont conférés à nos tribus réunies et aidez-nous à semer la désolation parmi les rangs de Rogbar. Colmatons la nouvelle porte d'entrée de leur rentre avec un amas de leur... Kanché vous guide. Bien ou quoi? Tranquille. Affaire de 30 secondes. Et voilà. Bon, normalement, la zone devrait être finie avec ça. La justice s'abat des cieux. Alors, beau travail. Nous allons finir par faire de vous un corne céleste. Myla a poursuivi le roi d'en bas jusque dans sa grotte. Nous inculquons tout le contraire à nos enfants dès le plus jeune âge. Elle est bien trop téméraire, mais à quoi bon vivre éternellement? Après tout, rejoignons la vie. N'oubliez pas, les ennemis oublient souvent de lever la tête. Pleutre, cache-toi où tu veux, nous te suivrons partout. Ok. Quand tu veux, hein. Quand tu veux pour me fournir un système. Thank you.
roi d'en bas ne t'échappera pas. Pas cette fois. Je suis Myla, grand chef de la tribu. Bon, bah clairement le mantelet. Dargoul ne fait que retarder l'inévitable. Uruk ne faillira pas. Je vais demander aux miens de dégager un chemin au milieu de ces décombres afin de frapper directement les forces de Dargoul. Ce sera une ruse. Navarog a suggéré un plan qui, à mon avis, est loin d'être mauvais. Il connaît une autre voie d'accès menant directement à Dargoul. Rassemblez tous les alliés que vous pourrez et attaquez en empruntant ce passage dérobé. Récupérez le marteau de Kasgoroth avant que ce scélérat ne fasse s'écrouler la montagne sur nous. Nous allons faire diversion afin de lui permettre d'arriver jusqu'à lui. Nos tribus ne font qu'une. C'est un donjon. Donc, on se téléporte à Dalaran. Parce que nous, on a fini ici, dans cette zone. Donc, c'est épée à Dalaran. Voilà. Alors, on a bien entendu une belle récompense. On passe de 700 à 707. Dire ça, c'est une belle récompense. Alors, bien entendu, j'ai hâte la transmog. Notre négociation. Voilà, merci. Bon, là, je peux encore rien faire. Là, je peux le désenchanter, mais ça changera pas grand chose. C'est ça. Là j'en ai 22 et il m'en faut 21 je crois pour faire un... bah écoutez, j'ai plus grand chose comme quête à faire. Enfin ici en tout cas. Qu'est-ce qui vous amène? Déposer. Voilà. Il m'en faut 24 et j'en ai 22. À la revoyure. Ok. Et ça, et ben ça, et ben ça ne va pas nous emmener où. Oh pardon, il ne va pas nous emmener au hall. Dans 1h30. Par contre, on va vite faire les améliorations de temps. Oh, il y en a encore une quête. Ah, mais c'est une quête pour autre chose. C'est une quête pour tout à fait autre chose. On fera au prochain niveau. Voilà. Daigwin augmente les dégâts de projectiles des arcanes. Maintenant, surtout que maintenant, est-ce que au niveau des apparences, je vais débloquer? Mal. Alors celle-là j'aime pas du tout. Bon, la plus classique ça reste celle-là et c'est celle que je préfère. Donc voilà. Alors on va vite s'empresser d'accepter la quête. Oui. Alors nous avons de solides pistes sur d'autres reliques qui pourraient vous intéresser si jamais votre puissante arme légendaire ne vous suffisait pas. Je vais vous exposer les différents choix qui s'offrent à vous. Dites-moi comment vous souhaitez procéder. Choisissez la deuxième arme prodigieuse que vous souhaitez vous procurer. Les seigneurs de l'effroi doivent mourir. Et honnêtement, je pense qu'on va s'orienter vers Felomelor. Que cherchez-vous à savoir? Je ne peux pas changer de spécialisation. Alors, c'est décidé. Honoré Tirisfal. Voilà.
Ah, Phénoménon, je connais. Le conseil de Tirispal a cherché à s'en emparer pendant une éternité. Elle possède la faculté de contrôler les forces primordiales du feu. Les conséquences seraient désastreuses si elle venait à tomber entre de mauvaises mains. Il se trouve que l'un de mes associés, l'archimage Modera, a récemment découvert certaines informations la concernant. Ce cristal renferme un message de sa part. Je vous suggère de commencer vos recherches par là. Le portail que vous voyez là vous ramènera en ville. La Tirisgarde ne doit pas échouer. Ok. On a besoin de moi. Ok. Eh bien, c'est tout pour nous aujourd'hui. Prenez soin de vous, faites bien le geek, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Salut à tous!